Donc on continue, donc il me reste un dernier ossement et j'espère que ça va être celui-là. Mais dégage! C'est pas possible. Ah d'accord, non, c'est pas celui-là. Il me reste juste un dernier. Après le fail de l'épisode précédent. Oh là là là. Mais je vais devoir en casser encore combien pour le trouver? Ah, allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh oui! C'est bon! Bon, bah du coup, je vous retrouve tout de suite après. Voilà. Allez, double coupure. Ah bah non. Bah je vous laisse le dialogue. Et après je coupe. Par contre, on n'entend pas les dialogues. De la musique. Ah non, c'est la musique qui est trop fort. Aou, 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 aou. Le voilà. C'est. Encore un gros combat. En avant. Voilà. Vous en voulez aussi? Voilà. À la revoyure. Ah, c'est moi qui dis ça. Ça va leur apprendre. Je suis dégoûté. Voilà, j'étais en train de faire ma quête. Et comme par hasard, je suis tombé sur un mec qui était AFK. Eh, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, j'ai décidé de recommencer l'épisode. Pour la peine, je vais faire détruire les camps. Parce que, avec la mission qu'il me propose, je dois collecter des pierres. Et il y en a 17. Mais c'est pas systématique, il faut casser les... Bah, il faut casser de la pierre. Mais le truc, c'est que... C'est totalement aléatoire. Donc voilà, c'est ça qu'il faut casser. Et c'est pas ce qui manque, hein. Mais... C'est long. Ah bah... Ah bah voilà! Ah bah voilà. Donc je l'ai déjà fait... En off. J'ai avancé un peu parce que... Comme j'ai dit, sinon, ça allait être vraiment très long. Et j'ai pas envie de passer 3 épisodes pour une quête. Allez. 12 sur 17. Se sont retrouvés à former un groupe. Faut bien s'occuper pendant que les échantillons décantent. On n'a jamais prévu de former Paille de Fer. Ça, non, je parle pas, hein, je vous laisse écouter. Ah d'accord, ils ont fini de parler. Désolé, je laisse une dernière fois la femme parler. Mais vous pensez que... J'écoute quand même les dialogues, parce que... Si on se rabiboche... C'est pour en apprendre plus sur l'histoire. Vous pensez que c'est possible? Non. C'est quand même intéressant. Pas non plus que des monstres envahiraient le monde. Alors qui sait? Parce que bon, moi, je m'intéresse aussi à l'histoire de ce monde. Cherchons le suivant. Le prochain camp 13 sur 17. Vérifiez bien vos armes et vos munitions d'abord. Nous en reste 4. C'est vraiment pas beaucoup. Ça fait combien de temps que vous vous intéressez aux extinctions massives? 4 en... Depuis notre second single. Extinction de masse? 18 minutes. Ah, j'ai compris. Allez. Les camps inactifs. Voilà. Vous voyez que là, on en a cassé 2 et on en a trouvé aucun. C'est uniquement de la chance. Je peux pas te le dire. Oula, mais il y en a du people. Il y en a du people derrière moi. Il serait temps de faire le ménage, je sais pas vous. Voilà. J'en ai oublié un. Bah alors. T'es vexé? Boum. Voilà. Pour faire court, disons que... Il était vexé le machin. C'est n'importe quoi. Pour essayer de prédire. Il cassait un caillou, il m'attaquait même pas. Je crois que...
Cette carcasse avait des problèmes de vue. Préparez-vous bien. Vous pourriez m'expliquer ce que ça veut dire? Avec le temps, toute forme de vie finit par s'éteindre. Mais c'est peut-être pas encore notre tour. Oui. C'est sûr, la situation actuelle remplit les conditions d'une extinction massive. Mais il y a les... Ça c'est vrai. Et les mauvaises extinctions. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ça c'est vrai. En voilà un. Détruisez-le. Ça c'est vrai que notre monde actuellement nous mène vers une extinction massive. Qui a déjà commencé. Mais... On... Encore une. Il y a toujours de l'espoir. Voilà, il y a toujours de l'espoir. Quand l'être humain comprendra que sa survie est menacée, bah il recommencera à prendre soin de la planète. Tout simplement. Soit ça sera trop tard, soit ça sera pas trop tard. De toute façon, il n'y a pas d'autre moyen qu'on soit au bout du gouffre pour que l'être humain se bouge. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est que quand on va descendre la pente, qu'on va se dire qu'on est allé trop bas et qu'il va falloir remonter. Pourquoi? Parce que on n'aura pas le choix. Voilà. Et moi je vois les choses comme ça. L'être humain apprendra de ses erreurs quand il sera proche de la fin. Pour empêcher la fin. Après, il y a plein de futurs. Hein. Soit la Terre, elle sera complètement, mais tellement déglinguée qu'on devra aller sur une autre planète. Hein. Et en attendant de vivre sur la surface de Mars, les colonies qui s'installeront là-bas, ils s'installeront sous Terre. Hein. On ne sait pas. On peut pas dire que ça arrivera pas et on peut pas dire que ça arrivera. On peut juste avoir un avis sur la chose. Le voilà. Mais forcément, pour quelqu'un d'optimiste comme moi, je vois les choses positives. Plus que 10 minutes. Tenez bon. Forcément, si je serais pessimiste, je verrais les choses autrement. Eh mais... Allez, mais bon, faut bien trouver un sujet de discussion, hein. Parce que là, ça fait toute la mission. Ça fait... bientôt 20 minutes qu'on y est, là. Oh, je vais prendre le minigun. Ce carnage. Allez, grenade! Grenade! Mais une grenade dans ta face! Ça, c'est pas mal. Ce respect qui s'est perdu dans les... dans les méandres... de l'oubli. Construisons. J'ai trouvé le suivant. Regardez votre carte. Ah! Ah bah non! Si on finit les camps avant... On n'aura pas besoin d'attendre 20 minutes en tout. Ah bah non. Ah bah non. Non bah on se dépêche alors. Et pour ça... J'ai ma petite idée. Ah j'ai plus de... C'est parti. Faites votre œuvre. J'ai plus de lance-roquettes. Ah c'est dommage. Vraiment dommage. Moi je fais le ménage. Je pense que ça va pas prendre beaucoup de temps.
On est 4 dessus. Ah non. Il manque quelqu'un à l'appel. Là maintenant on est 4. C'est du gâteau. Allez, une petite tourelle. En tout cas, j'ai remarqué un truc. Depuis que j'ai ce personnage avec cette configuration là. Ah mince, j'ai pas pu le tuer, dommage. Et ben, j'ai forcément beaucoup plus de vie depuis que j'ai converti tous mes points de bouclier en vie, ce qui me fait que j'ai une barre de vie beaucoup plus grande. Et c'est vraiment très utile. C'est vraiment très utile quand on utilise un soldat. Car avec un soldat, on va devoir aller au front. On va devoir aller au combat, au corps à corps. Et forcément, ça aide d'avoir beaucoup plus de vie. Ça aide énormément. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait le défi terminé à la perfection sur la route. Je l'ai toujours pas fait. J'avais réussi. Comme par hasard, le défi n'a pas été validé. Honnêtement, peut-être que je le reprendrai plus tard. Mais bon, là, il est vraiment chiant ce défi. Très très chiant. Très très chiant si on trouve pas les bonnes personnes. C'est ça le truc. Allez. On nettoie tout ce bordel. Et c'est fini. La zone est sécurisée. Beau travail. Je peux même faire ça. Ouais, ils m'ont même pas laissé faire mon emote. Je vous déteste. Vous m'avez même pas laissé faire mon emote. J'ai bien ses secrets. Comme quoi, par exemple? Je sais pas encore. Ça prend du temps. Déployer des scanners dans une zone de niveau 46. Nous devrions aller jeter un coup d'œil dans ces mines de dingue. En analysant leur structure, je découvrirai peut-être quelque chose. Ça se tient. Vous en pensez quoi, Lars? C'est Sid, le spécialiste des pierres. Il y en a 5. C'est son couplet, là. Dans ce cas, direction le sous-sol. Oh. Ah, pour ça, ça serait mieux de choisir le désert. Ça serait mieux de choisir le désert. Refuge, non. Récupérer les données. Oui. Je pense qu'on a... le niveau requis pour le faire. Ouais, 52. Ça va être du gâteau. Et est-ce que je reprends un aventurier? Est-ce que je reprends un aventurier? Allez. Mais c'est bien parce que j'ai l'ours avec ce personnage. Ah bah. Nous devons récupérer des données avant d'être submergés par la tempête. Et c'est parti pour descendre dans les profondeurs des enfers. Nous n'avons que 20 minutes. Surveillez bien le déplacement de la tempête sur la carte. Alors. Regardez, il y a un glitch. L'analyse dit qu'il appartient à une série. Waouh. Alors trouvons les autres. On va où comme ça? Encore un glyphe? On voit des nuages sur celui-là. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bonne question. Ça me paraît généreux d'appeler. Ah, ils vont nous apprendre ce que ça veut dire, ça? C'est plutôt une sorte de... grosse tache. Ah bon? Désolé. C'est intéressant. Bonus activé. C'est intéressant. Oh, de la malachite. Encore de la malachite. Oh,
Est-ce qu'il y a un truc derrière? Non. Site d'atterrissage trouvé. Bien joué. La apparemment, il n'y a plus rien ici. Vous devriez établir des défenses autour du site d'atterrissage. On est obligé de faire ça pour remonter. On n'a pas trop le choix. D'accord. Non, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Voilà. Aou. Allez. Donc il m'en manque 3. Il m'en manque 3. Où va-t-on trouver les 3 autres? Bonne question. Bonne question. Dans les profondeurs, oui. Est-ce qu'il y a d'autres mines dans le coin? Ah, est-ce qu'on doit le faire en plusieurs fois? Ah oh. Bon bah je suis obligé d'aller dans la tempête. Ah! Ah 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 ah! Ah 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 ah! C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Ok. Ok, 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 ok. Il y a forcément une entrée. Il y a forcément une entrée. Bon bah voilà, elle est là. Ah! Bon bah non, en fait, il y en a 4. Il y en avait 4. Avec une sorte d'animal cette fois. Une sorte d'animal? Ouais, tu sais. C'est les mêmes les glyphes? J'ai pas fait attention. Je crois que c'est les mêmes. Hein? Une carcasse? Nous devons continuer à chercher. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, faut que je regarde après. Ça ressemble à un fracasseur. Tu trouves? Pour moi, ça a l'air. Oui, effectivement, c'est des carcasses sur les glyphes. Ça veut dire quoi? Aou, 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 aou. Continuons à chercher. Oh, 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 oh. Déjà, ils me font mal, mais alors quand je suis dans la tempête, en plus des dégâts que je prends. Allez, je peux pas trouver. Je peux pas trouver autre chose. Je peux pas trouver autre chose et apparemment non. Wow. Apparemment je ne trouverai pas d'autres scanners. Dommage parce qu'il en manquait un seul. Il en manquait seulement un seul. Je vais essayer de chercher encore dans cette zone, mais... Non, tous les endroits ont été découverts. Hein. Tous les endroits ont été découverts. Bon, bah, je pense que... Ouais, je pense qu'on va devoir le faire en plusieurs fois. Ouais, pas le choix. Bon bah... Bon bah let's go hein. Petit tour de magie. 1, 2, 3. Voilà, tour de magie. Déployez le scanner. Et voilà, il reste 20 secondes. Ça fait depuis 10 minutes que j'attends ici. Pour lancer directement... juste à la fin. Comme ça, la mission est finie. Et on perd pas de temps. La magie du montage, les amis. La magie du montage. Ça fait des miracles. 6 secondes. J'ai posé plein de dalles de soins. Tout ça pour ça. Mais ça en valait la peine. Yeah. Bon.
Eh ben, je pense que la session va s'arrêter ici. J'ai fait tous les montages d'épisodes et normalement cet épisode-là, ça sera l'épisode 70. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Et... outro.